Salutations chers gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, découvrons la recette d'un gratin de courgettes et de chèvre. Pour cette recette, nous avons besoin de courgettes, de béchamel, d'une gousse d'ail, d'une bûche de chèvre, de fromage râpé de chèvre et de quelques tomates cerises. Je commence par éplucher les courgettes, puis je les découpe en rondelles. Je dépose une première couche de rondelles de courgettes dans un plat à gratin. Je fais également des rondelles avec la bûche de chèvre et je vais en déposer la moitié sur ma première rangée de courgettes. Je fais pareil avec quelques tomates cerises et la moitié d'une gousse d'ail. Il ne me reste plus qu'à recouvrir cette première couche de la moitié de la béchamel, puis recommencer donc avec courgettes, chèvre, tomates, ail et béchamel. Pour terminer la préparation de ce gratin, je le recouvre avec le râpé de chèvre et je le mets au four à 240 degrés, il me semble, jusqu'à ce que les courgettes soient cuites. Voilà, j'espère que cette recette toute simple vous a plu. Elle m'a coûté environ 5 euros pour 6 personnes. Donc c'est le gratin de ma grand-mère, le gratin de mes parents. C'est super bon. Après, bon, bah voilà, c'est du chèvre, donc c'est quand même gras. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez adoré. Merci à vous, à bientôt!